Et puis la suite de la visite du ministre du Pétrole et des Hydrocarbures à Gamba, après les officiels locaux Pascal Wanyamboué et a visité plusieurs sites d'activité de Shell dans la localité. Son itinéraire est tracé ici par Martial Tchibinda et Francis Ngomo. Pour un état des lieux de l'héritage de Shell dans le département de Ndougou, le lycée Roger Gouteiron, heureux ici d'accueillir le ministre du Pétrole, est un bel exemple de fruit d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Je voudrais remercier Shell Gabon, les élèves, c'est un remerciement républicain, d'accord ? Shell Gabon pour avoir réhabilité ce beau lycée qui est le vôtre. Et c'est une fierté de savoir qu'il existe encore des partenariats publics-privés qui permettent à ce que les élèves que vous êtes, lycée de fierté, parce que vous êtes sorti troisième au baccalauréat au niveau national. Des bâtiments réfectionnés et entretenus, une bibliothèque totalement aménagée, les remerciements républicains ont été véhiculés en bonne et due forme lors de cette séance de travail avec la direction générale de Shell pour une mise au point. Je ne me permettrai pas de commenter un événement futur qui va amener Shell Gabon à céder ses actifs à une nouvelle société. Je laisse bien évidemment le droit et en tant que devoir à Shell Gabon de pouvoir communiquer sur ce point, je dirais encore en traitement, en guillemets, et qu'il conviendra de communiquer à la presse le temps venu. Autre point d'orgue de cette première journée, la visite du terminal de Gamba. Ici, rigueur et discipline sont de mise. Ce que j'ai vu est fantastique, du fait que ce sont des sites bien tenus et les standards de sécurité sont les mêmes que ceux que l'on peut voir à l'international. Donc l'idée est de pouvoir rassurer les populations que les employés de Shell sont bien traités d'une part et qu'il conviendra au nouvel opérateur de pouvoir poursuivre les standards qu'a imposé Shell à ses différents employés. C'est donc un ministre du pétrole, satisfait certes du professionnalisme standardisé constaté, mais satisfait surtout du traitement des agents par Shell, qui cède aujourd'hui ses actifs.